les monts et forêts pour trouver le feu. Les enfants du feu, les enfants ils sont affrontés de nombreux dangers, jamais renoncer, les enfants du feu. Mon nom est Odys. Je vais vous raconter la grande aventure de la quête du feu qui commença ce jour d'hiver très rude où Arthor et Brunt étaient partis à la chasse. Aidés par les puissances, ils espéraient ramener du gibier pour nourrir le clan. Qu'est-ce qu'il fait? Il est plus malin que nous! Les puissances nous abandonnent! Baissez les yeux. Faites place à votre chamane et à la fille du feu. Accepte cette offrande au feu sacré. Et donne-nous ta chaleur et ta lumière. Que les jeunes pousses, c'est bon pour la santé. Le malheur, c'est qu'ils sont toujours tout en haut. Mais Gali, il est un malin. Qui a osé? Galil! Gali, qu'est-ce qui se passe? La chasse a été bonne! Ton sang a coulé? Non, rien de grave. Ça va. Ceux du clan de Mudjon te remercient, terre-mère. Que l'esprit de l'ours nous pardonne et veille désormais sur nous.
Le sort s'acharne une fois encore sur nos misérables carcasses. Un ours a fait ça? Non! Galil, ton fils, ce bon à rien est pire qu'un ours. Regarde, les peaux ont éteint le feu. Galil? Mais il doit payer sa faute. Je demande la réunion du Grand Conseil. Nous n'avons plus de feu, et je dois à nouveau retourner dans la grotte sacrée pour demander à la Terre-Mère de nous le donner encore une fois. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, il faudra une offrande pour le remercier. Mais notre chasse est si mauvaise. Je parlerai à la Terre-Mère. Peut-être qu'elle se contentera d'un seul lièvre. Nous t'en sommes reconnaissants, Bibel. Mais je demande que ton fils soit privé de nourriture durant 6 soleils, Itak. C'est la juste punition, Bibel. J'y veillerai. Le grand conseil est terminé. Non! Je te l'ai déjà dit, les yeux de la fille du feu peuvent brûler comme la braise. Ne la regarde jamais. Qu'est-ce que tu fais? Nous partons. Aussi amère que les paroles de Bibel. Ce clan me surprendra toujours. Tant que ces brutes stupides croiront à nos histoires, nos ventres seront pleins. Maintenant, le clan va pouvoir manger à sa faim. C'est une bonne chasse. Je suis fier de vous. C'est Arthor qui l'a tué. Seul? Oui, seul. Ton fils est un grand chasseur, Itak. Je remercie les puissances de t'avoir épargné. La viande de l'ours pourra nourrir le clan durant plusieurs soleils. Mais ce n'est pas grâce à mon fils, non. Mon fils a trébuché comme un enfant. C'était un accident. Tu sais bien que mon courage égale celui d'Arthor. Je ne vois qu'une chose. Le fils d'Itak, fêté comme un brave, et toi le fils de Mudjon, qui maintenant lui doit une vie. Un jour, tu devras prendre ma place. Qui voudra de toi si tu n'es pas le meilleur? Quoi? Tu as peur de l'offrande? On n'y risque rien. De la grotte sacrée. Dick, celui qui en franchit l'entrée est de suite transformé en cendre. Cette fois encore, la Terre-Mère a bien voulu nous donner le feu en échange de notre maigre offrande. Surtout, n'oubliez pas, je suis le seul avec la fille du feu à pouvoir pénétrer dans la grotte sacrée. Maintenant, remercions notre mère.
Merci, Terre-Mère, pour ta bonté et ta générosité. Elgwart ? Je suis inquiète pour ton frère. Il n'est toujours pas revenu. Oh. La punition de Bibel est très dure. Tel que je le connais, il ne doit pas être loin. Je m'en occupe. Le meilleur morceau, mon fils. Non, donne-le plutôt à la fille du feu. Mais c'est toi qui l'as tué. De la part d'Arthur. Arthur t'a donné sa part. Pourquoi? Il t'a parlé. Le cœur renferme la force de l'ours. Tu n'en as que faire. Voilà. C'est qu'elle n'est pas contente. N'oublie jamais, tu me dois tout. Sans moi, tu n'existes pas. Sale petite peste. Reviens ici. Galil! Galil! J'ai de la nourriture pour toi. Galil! Galil! Galil, je suis seul! Approche! Et évite de provoquer Bibel. Je ne serai pas toujours là pour t'apporter de la viande. Je l'ai vu. Quoi? J'ai suivi Bibel. Et j'ai vu la grotte sacrée. Tu quoi? Tu es fou! J'ai vu Bibel et la fille manger l'offrande de la Terre-Mère. Le chaman est un menteur. Tu es sûr? Ce que tu dis est très grave. Parole de brave. Emmène-moi là-bas. Je n'ai jamais aimé Bibel. On tient peut-être la preuve qu'il nous trompe depuis toujours. Ouais. Il vous a même traité de brute stupide. Ouais, on verra. Tu vois, ils l'ont fait cuire ici. Les braises sont encore chaudes. S'il a menti pour ça, il a aussi menti pour le reste. Arthur ? Attends ! Allez, viens. Et si Bibel n'était qu'à moitié menteur ? S'il te plaît, Terre-Mère, ne nous transforme pas en cendres. D'accord ? Oh ! Non, pitié, ne t'énerve pas. Arthur ? Ça va ? Allez, Galil, suis-moi. Oui, attends-moi. Arthur ? On ne devrait même pas être ici. La Terre-Mère est en colère. Il faut retourner, Arthur. Avance, Froussard. Tu sais, c'est un toi, brave, le brave. Ne connaît pas la peur. Je suis juste ton petit frère, hein. Hein, tu sais, Arthur, c'est toi, le brave. Oh, je n'aime vraiment pas cet endroit. S'il te plaît, Terre-Mère, ne nous transforme pas en cendres. Qu'est-ce que tu fais? Les pas de Galil et Arthur, hein? Ils sont introuvables. Tu sais quelque chose? Tu mens! Sale gamin! Tu vas suivre ces traces. Allez, marche! En avant! Je
Je n'aime pas ça, Arthor. Faut retourner. Avance, Galil. Je veux savoir. C'est fini, Galil. Tu t'en es bien tiré. Je suis fier de toi. Arthor et Galil ont désobéi. Et la Terre-Mère s'est vengée. Sa terrible colère a secoué toute la montagne. Et dans un dernier accès de fureur, elle a refermé à jamais la grotte sacrée. Oui, mais nous sommes toujours là. C'est Arthur. Beeble a menti. La Terre-Mère donne le feu à tout le monde, mais il préfère dire qu'il est le seul à pouvoir l'approcher pour pouvoir profiter des offrandes. C'est vrai, Beeble. Comment tu... Moi, je l'ai vu manger le lièvre. Il ment. C'est faux. Alors pourquoi la Terre-Mère ne nous a pas transformés en cendres? Il ment. Elle a fait pire. Elle nous a interdit le feu à jamais. Assez. Je demande la réunion du Grand Conseil. Tout ça à cause de moi. Et de cet arbre idiot. Non, petit frère. Tout ça à cause de Beeble. Oui, mais la Terre-Mère a refermé la grotte sacrée. Par notre faute. Peut-être bien. Peut-être pas. Tout ça se décidera au Grand Conseil. C'est à cause de toi. J'ai trouvé une idée pour mon invention. Toi et ton frère avez ignoré les règles du clan. Par conséquent, votre parole n'a pas de valeur. Le Grand Conseil a donc décidé que vous resterez en dehors du village, que vous serez privés du feu, jusqu'à ce qu'on en décide autrement. Si telle est la décision du Conseil, je pars! Je quitte le clan! Tu ne peux pas faire ça! Tu appartiens au clan! Je partirai à la nouvelle lune. Arthor! Laisse!
Il reviendra vite. Mon père veut me parler. Arthor va partir. Et c'est une bonne chose. Tu auras maintenant l'occasion de montrer à tous que tu es le digne fils de Mujan. Mujan n'a jamais eu confiance dans son fils. Ma place n'est plus ici. Le conseil veut nous écarter du clan, moi et Galil. Je vais partir, Elgwart. Tu ne peux pas faire ça. Où tu iras? Mais si on peut, y en a marre de Beeble. Toi, tu restes ici. Je ne perdrai pas mes deux enfants le même jour. Tu entends? Elgwart a raison, tu es trop jeune. Trop trouillard. C'est ce qu'on verra. Galil, allez, ne fais pas cette tête-là. J'ai eu tort, tu n'es pas un trouillard. Mais tu sais bien que Elgwart et Ithaq ne te laisseront jamais me suivre. Et toi? Et si c'était toi, Alchef? Qu'est-ce que tu ferais? Moi? Je ne me séparerai pas de mon petit frère. Je te dois toujours une vie. Et je suis prêt à te suivre. Ta force et ton courage me seront utiles. Tu sais où aller? Le sang de la Terre-Mère doit couler partout. Sous les forêts et les montagnes. Je suis sûr qu'on trouvera un autre feu. Et si le feu ne se trouvait qu'ici, dans la grotte sacrée? Si Beeble avait raison. Lozi? Beeble. Elle parle. Lozi, tu sais parler? Je sais, oui. Beeble ment.